Bonjour à tous et bienvenue au studio Thomas Isidore Sankara. J'espère que vous allez bien. Merci de nous suivre. Eh bien, aujourd'hui, j'ai voulu passer un message à tous mes frères africains et à toutes mes sœurs africaines. C'est un sujet récurrent, un sujet très récurrent. Eh bien, je veux parler aujourd'hui de l'Afrique, le continent africain. Vous savez, beaucoup de gens nous disent que l'Afrique est un continent où on ne doit pas rester. L'Afrique est un continent où rien ne marche. Les affaires ne marchent pas. Voilà, il y a ceci, il y a cela, je ne veux pas rentrer dans le détail. D'autres pensent que l'Afrique, c'est un continent de malheur et qu'ils préfèrent aller en Europe passant par l'océan Atlantique ou la Méditerranée pour aller se faire tuer en mer. Bien, mon avis est que, chers frères et sœurs, laissez-moi que l'Afrique, c'est le meilleur continent parmi tous les continents. L'Afrique est un continent riche. L'Afrique est un continent où tout le monde peut avoir sa place. Quand nous regardons les médias occidentaux, qu'est-ce qu'ils nous montrent généralement? En fait, ils veulent nous inculquer une mauvaise image de l'Afrique. Les maladies, les désastres, les calamités, et la plupart du temps, c'est les guerres qu'on nous montre généralement sur les médias occidentaux pour nous donner une mauvaise image de l'Afrique afin que nous puissions quitter cette Afrique pour aller en Occident. Et ils quittent l'Occident pour venir ici en Afrique, pour venir piller les richesses. Je pense que l'Afrique doit être bâtie par les Africains. L'Afrique doit être développée par les Africains. Et l'Afrique est le meilleur continent, comme je viens de le dire. L'Afrique est un continent riche et prospère. Si nous, Africains, nous arrivons à cerner toutes les richesses de l'Afrique et mettre à notre profit pour un développement durable de ce continent-là, africain. Aussi, nous devons être fiers d'être africains. Rester en Afrique pour construire l'Afrique. Personne ne viendra le faire à notre place. Si nous décidons de quitter l'Afrique pour aller en Europe ou en Amérique, qui viendra construire l'Afrique à notre place? Les Blancs viendront seulement piller nos richesses, détruire nos valeurs culturelles et partir sans rien laisser. C'est ce qui les intéresse, l'intérêt matériel et l'argent, c'est tout. Un message aux frères qui pensent que l'Afrique est un continent de misère. Non, c'est la mentalité qu'il faut changer. La mentalité qu'il faut changer. Et avec le changement de la mentalité, on peut réussir à changer nos réalités. Seulement avec le changement des mentalités. L'Afrique bouge. So Africa is moving. L'Afrique est en mouvement. Et vous pouvez le constater à travers beaucoup de pays africains, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, voilà. Et j'en passe pour ne pas citer beaucoup de pays parce que la liste est longue. Voilà, c'est ce message que j'avais voulu passer à tous les frères et à toutes les sœurs de l'Afrique et même ceux de la diaspora. Merci et restez connectés car il y aura d'autres vidéos. Merci. No matter how I fall, I will rise.
again. Oh, I'll be alright again. I'll be alright. How many times I feel I will rise again. Oh, I'll get back up again. How many times it knocks me down, I will rise again. I'll rise up, I'll rise up. 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 Up in the baby, I was growing, I was crawling. Try to get